Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, on Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'enquêter sur l'anomalie détectée à Lazy Lake. Alors pour pouvoir débloquer ce défi, il faudra être obligatoirement palier 14. Donc moi je ne le suis pas, mais je vais déjà vous dire ce que vous devez faire quand vous aurez débloqué le palier 14. Vous recevrez un défi, donc une quête que vous allez devoir compléter. Alors il va falloir trouver l'anomalie qui se trouve à Lazy Lake et je vais vous montrer l'emplacement tout de suite. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans cette maison-ci. Donc là, je vais vous montrer sur la carte. Donc c'est à Lazy Lake, la maison jaune, donc qui se trouve juste ici, voilà. Ensuite, quand vous êtes dans cette maison-là, vous allez descendre. Ici, vous allez entendre un papillon, donc une faille, une anomalie. Alors, l'anomalie sera juste ici et en fait, vous allez devoir la suivre. Elle va passer à travers ce mur-là. Vous cassez le mur juste ici, comme ceci. Et là, l'anomalie va se mettre ici. Ensuite, vous allez devoir l'activer en cliquant sur carré juste ici, en appuyant sur la touche action juste ici. Et ensuite, vous aurez quatre couleurs. Alors, la première couleur, ce sera celle-ci. Puis ensuite, ce sera celle-ci, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Alors, je ne sais plus exactement c'est quoi les couleurs, mais je vais regarder vite fait et je vais vous dire ça. Oh là, il m'a fait peur celui-là. Mais fou quoi. Ok, donc en fait, d'abord ce sera la couleur rouge, ensuite ce sera la couleur violette, ensuite ce sera la couleur bleue et ensuite ce sera la couleur verte. Vous allez devoir les actionner dans cet ordre-là et ensuite il y aura une faille qui apparaîtra et vous devrez interagir avec la faille et là vous débloquerez le défi et vous débloquerez une variante du skin Agent Jones. Donc voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.